Ah bah il a changé le... Hey, top antenne, me dit-on du côté de la régie. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch des Brûleurs de Loups pour cette nouvelle soirée de CL en compagnie de Jean-Sébastien Guiguet du Sport Dauphinois. Salut Yann, salut à tous. Écoutez, on va essayer de reprendre un peu le cours des choses après plusieurs jours de pause en compétition. Les Brûleurs de Loups qui ce soir vont affronter un adversaire direct. Hein, non seulement bien sûr pour la course au play-off, mais surtout j'en sais parce que eh bien, au classement les deux équipes sont clairement coude à coude. Ah ouais, là, on va pas porter la schkoumoune au BDL, puis on a attendu que Thomas quitte un peu le vocal pour lui dire juste que bah, voilà, deux victoires et les BDL se retrouveraient à la 8e place. Alors, potentiel, hein, Potentiel, bien sûr. on va pas s'emballer non plus, mais en tout cas, il serait plus qu'en en route pour une grosse bagarre pour la qualif. Ouais, il faut impérativement gagner ce soir. Ouais. Allez, on vous espère nombreux ce soir pour nous suivre du côté de BDL Nation, pardon, bien sûr, mais aussi de la communauté. Alors la communauté ce soir, elle va être un peu dispatchée, j'en sais, parce que eh bien, les trois équipes françaises jouent ce soir. Hein, Grenoble joue dans le groupe 3 de l'ECL Light, hein, je vous rappelle la compétition organisée par NHL Gamer, société, enfin la compagnie finlandaise, hein, nhlgamer.com. Alors, les Hawks sont eux aussi en lice ce soir à 21h. Hein, match important contre Underrated, le deuxième du groupe 2, avec une très très grosse opposition, j'en sais, pour les Hawks ce soir. Et puis, une opposition tout aussi importante pour les Pirates de Cancun dans le groupe 6 de la Neo, qui vont affronter Asgard. Là aussi, peut-être une des dernières chances pour les Pirates de Cancun d'accrocher une qualification pour les playoffs, même si du côté de Cancun, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les deux équipes de Light. J'en sais l'importance du match de ce soir, on le redit encore, c'est de capitaliser, de mettre cet adversaire à bonne distance et de faire petit à petit un rattrapage, hein, de remonter au classement après un début de saison, on l'a dit, difficile, mais aussi des matchs et des performances qui nous permettent pardon, d'augurer des lendemains qui sourient. Ouais, j'ai envie de te dire que ça fait trois rencontres. On parle de finale pour les BDL. Ils se sont plutôt bien comportés. Et maintenant, ils s'ouvrent. Pas une finale. J'ai envie plutôt de dire que maintenant, ils s'ouvrent un mini championnat où il va falloir aussi observer ce qui se passe de l'autre côté. Avec une équipe ce soir, alors, tu disais tout à l'heure en hors antenne, compliquée. Moi, j'attends de voir quand même aussi le sursaut, la réaction des BDL par rapport à leur dernier match où on s'est un petit peu perdu pendant quelques minutes qui ont été fatales. À voir. Alors j'ai comme d'habitude un petit peu. Alors depuis, pour vous ne rien vous cacher, depuis quelques jours, les parties PS4. Alors les parties, ce sont les chats, le vocal. Hein. Depuis quelques jours, Sony a de la peine avec ses parties. Et du coup, je suis pour l'instant aveugle. Relance. Pour l'instant, il n'y a pas l'adversaire. Voilà, moi, je vois la partie et il y a pas les adversaires, pardon, ne sont pas là, mais on n'est pas. Allez, on va redonner quelques détails hein, sur cette voilà, l'invitation partie, je l'ai reçue. Ah bah évidemment, s'il a quitté le. Allez, hein, vous êtes. Bah, c'est les joies du direct. Hein. Comme dans la vraie vie, évidemment. Les ajustements sont en cours. Alors, le jeu en partage ne devrait plus tarder pour ce qui me concerne. Donc, je vais avoir les images, voilà, sous les yeux, si toutefois cette fois ça veut bien marcher. On réexplique hein, ce qu'est cette ECL, hein, l'European Championship League. J'en sais, c'est une compétition continentale qui regroupe 195 équipes réparties en quatre divisions. La division des Grenoblois, c'est la division Light, donc c'est la troisième division. Oh, je crois avoir reconnu. Oh, ça ne peut être que lui qui vient de nous rejoindre. Serait-ce l'ancien webmaster du grand média qui était le journal du hockey qui vient de nous rejoindre. Pas
pas beaucoup de personnes qui peuvent prétendre à porter ce pseudo, donc je veux bien penser que c'est bien mon ami Pierre-Jérôme Borsois qui vient de nous rejoindre et à qui j'adresse un très très amical salut. De même d'ailleurs, tiens, que j'en sais, puisqu'aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de discuter avec, avec un membre des Irréductibles, et j'adresse donc un petit salut très amical à la communauté grenobloise des supporters et des ultras que sont les Irréductibles et les Toqués. Mais si c'est bien mon vieux, très très vieux camarade Pierre-Jérôme Borsois qui est là, bah ça fait bien plaisir de l'avoir à nos côtés. Est-ce que ça réagit un peu du côté de la communauté des Brûleurs de Loups, l'instauration pardon, de cette version e-sport des Brûleurs de Loups, j'en sais? Oui, ça prend petit à petit. Là, les derniers résultats, en plus, sont plutôt favorables aux Grenoblois. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne bien, c'est la communication. Hein. L'application pour les téléphones, les smartphones des BDL est une application qui fonctionne très bien, qui est bien, qu'on va dire, qui est bien gérée, qui annonce les transferts, les matchs, qui commente les matchs en direct, etc., etc., même si ça... Ça serait sympa qu'ils arrêtent de le faire, mais voilà. Et du coup, ils annoncent aussi sur leurs réseaux sociaux les matchs d'e-sport. C'est ce qui draine pas mal de commentaires, de likes. Alors, on peut faire mieux, on fera mieux. Oui, ça se met en place. Ils feront mieux d'ailleurs, mais ça se met en place. Et puis, tu sais, les BDL à Grenoble, c'est dans tous les sports, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que les Grenoblois, on a quand même beaucoup de spectateurs plutôt que de supporters. Par contre, quand c'est les phases finales, voilà, ça bouge, oui. Ça soutient, c'est présent, c'est plus chaud sur les phases finales. Donc, je pense que voilà, si les Grenoblois avaient la chance de se qualifier, je pense que le retentissement serait encore plus grand. Absolument, et c'est tout le mal que l'on souhaite à cette équipe de Grenoble qui, on le répète, a eu un débarrage difficile. Le maillot grenoblois est lourd à porter pour quiconque le porte un jour, et il y a évidemment un sas de décompression, un seuil d'adaptation. Les joueurs l'ont tous confié à notre antenne. Il a fallu s'adapter, et c'est certain que, eh bien, on a l'impression aujourd'hui. Alors, c'est vrai, j'en sais qu'on a quand même en travers hein, cette défaite. Regrettable non pas en raison du niveau de l'adversaire, parce que Düsseldorf est une très belle équipe, mais au regard de la physionomie du match, cette rencontre perdue, et donc avec deux points laissés sur le bord de la route contre Düsseldorf, j'en sais, elle gratte un peu la gorge. Ah oui, parce que les Grenoblois étaient là, on s'est perdu, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les Grenoblois avaient fait le plus dur, on les sentait maître du jeu, et ça n'a pas fonctionné, on n'a pas réussi à s'imposer, et puis pire que ça, on a même perdu, et c'est des points qui valent cher, parce que au classement, sinon ce soir les Grenoblois seraient au-dessus de la ligne de flottaison, on va dire. Maintenant il faut réagir. Il y a du potentiel, après tout le monde peut passer à travers sur une rencontre. On ne peut pas faire non plus les 30 matchs, je ne sais plus combien, il y a 15-16, donc ça fait 30 matchs. Ouais. Les 30 matchs du même acabit, hein, les Grenoblois se comportent vraiment bien depuis le début de saison, même si au départ ça a été un peu compliqué en termes de résultats, mais en termes de jeu, il y avait du fond. On va dire que voilà, ça arrive, il faut plus que ça arrive. En tout cas, ça serait bien que non, ça n'arrive. Non, non. Et puis, par rapport on parlait tout à l'heure de l'impact de cette arrivée de l'équipe e-sport sur l'actualité des supporters de Grenoble. Moi, je peux attester que du côté du board, de la direction du club, hein, on est très, très attentif à ça. Je sais que M. Rebaud regarde les matchs aussi souvent qu'il en a la possibilité. Il a notamment assisté à la très belle double victoire contre Speedy Bros, l'ancienne équipe pro qui, que les Grenoblois ont dominé. Donc du côté des coulisses des Brûleurs de Loups de Grenoble, on suit tout ça avec beaucoup d'attention. Alors c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que les Brûleurs de Loups, c'est une équipe de hockey sur glace professionnelle, priorité évidemment, enfin priorité légitime à l'actualité des clubs, la prolongation des joueurs, la reconduction des staffs et l'actualité propre à l'équipe première de ce club. Mais Monsieur Rebaud, Alexandre Duic, le manager général adjoint, sont très très proches et très concernés par l'actualité de leur équipe e-sport, et on espère évidemment, on continue d'espérer que ça fera naître des vocations dans la
dans le futur. Alors j'essaie de trouver le classement que l'on m'a demandé. Je l'ai plus en tête. Le lien de tête, c'est. Grenoble est 10e. Ouais, Snipe, tu pourras trouver ça sur nhlgamer.com. Voilà, merci Broly. Voilà, merci, merci. Les deux équipes qui se sont trouvées, hein, le matchmaking est en cours. La rencontre va commencer dans quelques très courts instants avec la composition désormais classique de cette équipe de Grenoble. Franklin à gauche, Trommer au centre, Lavigne à droite, Cronier, le capitaine défenseur gauche, Merle et sa très très nombreuse fanbase à droite, et Mathieu Péan, le grand grand gardien du e-sport français dans la cage. Trollstivegen, c'est un grand joueur du e-sport français, c'est un des joueurs les plus connus à l'international, et jusqu'à présent, j'en sais, il a prouvé pourquoi. Ah oui, oui, alors là, clairement, si les Grenoblois sont à deux doigts, j'allais dire, de toucher leur objectif qui est le classement, alors ils le doivent effectivement aux cinq joueurs de champ, mais beaucoup, beaucoup aussi à leur gardien qui a fait des arrêts tout au long de la saison déjà, et qui a fait des arrêts qui ont rapporté des points. Oui, oui, qui ont compté, clairement. Ouais, les dernières secondes dans certains matchs, et puis, où il a été présent. Et puis il y a l'arrêt qui maintient l'équipe au classement, enfin au tableau d'affichage, et puis il y a l'arrêt aussi qui remet les coéquipiers en selle. Hein. Ça, c'est tout aussi authentique que dans la vraie vie, le gardien il est capable de faire tourner un match. Allez, face-off gagné par Maximilien Trommer pour Thomas Cronier tout de suite, qui va distribuer sur Lavigne. La passe est interceptée, Dice Hockey qui va rentrer en zone offensive. L'interception pour Raphaël Merle. Les Grenoblois qui vont pouvoir récupérer à partir de leur base arrière. On voit tout de suite, hein, que les Suédois, il y a un hors-jeu, c'est dommage, et que les Suédois vont mettre un pressing très haut sur les Grenoblois. C'est voilà, le Suédois virtuel joue comme le Suédois normal. Ouais. On va dire ça comme ça. On va mettre un pressing haut et on va sûrement jouer très souvent derrière la cage de Grenoble. Ouais, c'est fort probable, effectivement. Pas les récupérer dans l'entrejeu, puis perdu à nouveau par les Suédois de Dice avec un ou deux joueurs finlandais, hein, de mémoire, dans cette formation. Trommer qui s'appuie sur Cronier, qui rentre plein champ. C'est dommage, il était passé. La rondelle qui reste et puis qui finalement ressort de la zone offensive. Franklin qui s'amène pour la passe sur la vigne. Belle intervention du gardien de but là sur la tentative de l'ailier droit de Grenoble. Ouais, les Grenoblois qui ont grosse opportunité, hein, pour commencer cette rencontre. On va rester le plus haut possible pour essayer de récupérer le palais. Pour l'instant, les Suédois, on va les appeler les Suédois, si tu me le permets. Absolument. Ils sont quand même bien maintenus dans leur camp, il suffit de dire ça, pour avoir heureusement un hors-jeu. On va rappeler la petite stat qui fait plaisir, notamment à ses supporters, mais Lavigne, c'est pas très joli, mais il a marqué 21 buts et 12 passes décisives. Voilà, c'est loin, loin, loin d'être ridicule. Absolument. Allez, Maximilien Trommer qui va freiner sur la bande pour Cronier maintenant. Le lancer lointain de Merle qui est détourné. Et les joueurs suédois qui vont repartir à la conquête de la rondelle, mais pas pour longtemps. Avec Thomas Cronier, le capitaine, qui trouve une belle passe sur Trommer. Oui, c'était bien joué, la vigne maintenant. Et le palais qui va ressortir, lancer lointain de Thomas Cronier, qui le gardien ne libérera pas de rebond. On va engager auprès de la cage alors que l'on approche des 8 minutes de jeu et que l'on est toujours à 0-0. Ouais, c'était bien joué, le tir à la bleue pour enchaîner, pour tester aussi le gardien. Les Grenoblois en zone offensive sur le face-off, et malheureusement le face-off remporté par les adversaires du soir. Avec Dice qui va essayer de trouver une solution. Les Grenoblois qui mettent une trappe, semble-t-il, en place ce soir. Ouais. Il semble. En effet, on va voir, hein, sur un palais porté un peu plus haut en défensive. Allez, Franklin qui va au contact. Trommer, Franklin qui temporise en possession de la rondelle avec Lavigne. Maintenant Franklin derrière la cage, le palais qui parvient jusqu'au gardien de but qui à nouveau ne libérera pas de rebond. La moitié de la période est en approche. Le club de Grenoble qui semble légèrement dominateur en possession et en termes territorial, mais ça n'est pas encore
converti au tableau d'affichage. Et puis méfions-nous, hein, on l'a vu plusieurs fois au début, attention à ce tir peut-être rebond, non, on l'a vu plusieurs fois les Grenoblois en début de saison mener dans le premier tiers au nombre de buts et souvent, j'allais dire, et parfois s'incliner. Donc voilà, soyons quand même vigilants, mener c'est bien, marquer c'est bien mieux. Les Grenoblois qui vont dans l'entrejeu essayer de couper court à cette offensive suédoise. Attention, le retour au premier poteau, dans les Grenoblois toujours derrière le palais. Voilà, on peut récupérer avec Lavigne qui part directement sur son aile droite. Lavigne qui va chercher certainement le relais, non, il va le trouver avec son arrière-gauche, Trommer sur la réception de ce lancer de Cronier depuis la ligne bleue. Merle le tire sans contrôle qui est détourné par la défensive. Allez, encore 5 minutes, 6 minutes et les Grenoblois vraiment hein, qui offensivement cherchent la solution. Attention à ne pas commettre d'erreur défensivement, à ne pas trop aller dans l'entonnoir non plus. Les Grenoblois par Lavigne côté droit, ça va pas passer. Bonne première période des Grenoblois pour le moment. Ouais, ça se renifle un peu, si vous me permettez l'expression, pour l'instant entre les deux équipes, même si Grenoble semble très légèrement mener les débats. Reste que vous voyez, hein, la formation suédoise qui se replace assez rapidement en trappe, mais qui ne semble pour autant pas tout à fait coordonnée. Hein. La trappe, elle est très importante. Si elle est bien faite, elle est vraiment, vraiment difficile à contourner, surtout sur le jeu hein, NHL 20. C'est un petit peu moins vrai dans la vraie vie avec un décalage et un ailier rapide. On peut rentrer dans une trappe plus facilement dans la vraie vie que là. Eh bien, la trappe, quand elle est bien faite et parfaitement coordonnée entre les 5 hommes, elle est compliquée à détourner. Et là, par contre, on a réussi à rentrer sans trop de difficultés du côté des Grenoblois. Palais derrière la cage récupéré par les Suédois. Attention parce que ça va très vite là, on se fait des passes rapides, on ne garde pas le palais et les Grenoblois encore une fois, les Suédois pardon encore une fois qui sont pris au piège du hors-jeu. Grenoble pour l'instant qui arrive à poser son jeu offensif, j'allais dire, il reste peut-être à tester un petit peu plus le gardien. Très certainement. Il n'a pas été très en danger ce gardien de but. On va essayer là de récupérer le palais le plus haut possible, mais les Suédois arrivent à construire de leur base. Je ne peux pas m'empêcher de sourire à la remarque qui nous rappelle ma petite vanne sur les hors-jeux. Il y avait un joueur de Cancun, j'en sais, qui figure-toi, je ne sais plus sur quelle édition de NHL, je crois que c'était 4-17, ou, avait été numéro 3 mondial au nombre des hors-jeux. C'était plus qu'un savoir-faire, c'était une passion. Et on vient avec beaucoup d'aisance et de subtilité de nous le rappeler sur le chat. J'imagine qu'il s'appelle Gigi. Il s'appelait exactement lui-même. La fin de la première période avec une rencontre mi-raisin pour l'instant. Il est vrai que les Grenoblois ne se sont pas mis en difficulté, à l'exception peut-être, semble-t-il, d'un arrêt à effectuer pour Mathieu Péan. Arrêt effectué avec brio comme toujours, mais reste que on n'a pas non plus du côté de Grenoble, j'en sais, montré véritablement les crocs pour l'instant, si je puis dire, ni vraiment de mordant sur la cage de ce gardien de but. Ouais, on a 4 tirs pour des Grenoblois, 0 pour leurs adversaires. Bon, 4 tirs c'est correct ouais. pour un premier tiers, hein, on va pas non plus se mentir, mais 4 tirs de loin. Avec un gardien qui n'a pas vraiment été mis en difficulté. On l'a testé à la ligne bleue. On a peut-être compris qu'il laissait les rebonds. Mais il va falloir peut-être insister, venir plus près ou essayer de jouer la déviation plutôt que le tir de trop loin. Aurait-il une supériorité numérique qui nous aurait échappé, mon cher Jancé, à voir la statistique qui s'est affichée avec 7 secondes d'avantage numérique? Aurions-nous été sur la distraits fin, ouais, c'est possible. Soir, notre cher ami. Absolument, les Grenoblois sont donc en avantage numérique. Voilà, ça nous apprendra à nous promener sur les diverses applications au lieu de regarder le match. Donc Grenoble est bien en avantage numérique pour encore 1 minute et 30 et quelques secondes. Va pas falloir perdre de temps et surtout capitaliser rapidement avec cette entrée en zone de Lavigne. Allez, c'est bien remis et derrière, à la bleue on va fixer plein centre, on tire et on n'a pas réussi à détourner par Trommer, mais la bonne mise en échec qui va permettre aux Grenoblois de récupérer le palais. Il n'y aura pas de faute. Et non, malheureusement. Il n'y aura pas de faute, mais pourtant là, le joueur de Grenoble avait semblé... Ouais, je ne sais pas si c'est lui qui subit ou qui subit la charge, à vrai dire. Mes yeux se traînaient ailleurs sur la glace, mais
Monsieur l'arbitre n'a pas sifflé. Donc si monsieur l'arbitre ne siffle pas, c'est qu'il n'y a pas de faute. Tout simplement. Ouais, dans cette chronier... récupérer là, ouais. Ça traîne devant la ligne. Ouais, ouais, ouais. Oh, attention à la sortie de pénalité. Pénalité retardée. Et un avantage numérique cette fois contre Grenoble, puisque Coco Alexandre Lavigne, l'ailier droit, eh bien, va aller se. Ouais, oh, une faute. Ouais, elle y est, mais je ne suis pas certain qu'elle soit parfaite. Du défenseur. Je suis pas certain qu'elle soit parfaitement volontaire. L'engagement est gagné par les. Joueur suédois, 1,50 au powerplay, 0-0, 3 minutes de jeu en deuxième période. Belle défensive de Raphaël Merle qui va pouvoir donner de l'air. Ouais, c'est pas mal, Trommer là qui va pouvoir donner à Franck Locke qui va essayer de déo. J'ai cru qu'il allait passer dans sa feinte. Les Grenoblois qui reviennent vite en défense. On est un joueur de moins. On va essayer d'installer la box le plus rapidement possible. C'est la première grosse opportunité hein, pour les Suédois dans ce match avec le palais derrière la cage grenobloise. Attention à cette phase de jeu spécifique, le power play bien sûr, mais surtout cette présence derrière le filet. Voilà une passe mal ajustée des joueurs suédois qui va permettre à Grenoble de gagner 10, peut-être même 15 secondes sur cet avantage numérique qui semble se terminer sans difficulté pour les joueurs de Grenoble. Attention à cette ultime rondelle, on écarte sur Franklin à gauche qui va s'appuyer sur Trommer derrière la cage, ah, le lancer, le but. L'ouverture du score, j'ai envie de dire enfin, mais sans aucun manque d'égard à l'endroit des Grenoblois, mais ils ont enfin réussi, j'en sais, à faire sauter le verrou. Adrien Franklin servi par Trommer. Ah oui, et puis il est beau, il est bien construit, on sort de l'infériorité, on vient chercher le gardien un peu plus près, hein. On vient jouer plus dans sa zone pour voir aussi ce qui peut répondre à ce que la défense met en place et les Grenoblois qui ouvrent enfin le score. Il reste 14 minutes dans le deuxième, alors on est loin d'avoir fini ce match. On n'a pas fait le plus dur, mais on a fait quelque chose d'important, je le dis souvent, on a ouvert la marque. Maintenant, si l'adversaire veut gagner cette rencontre, voilà la première réelle intervention de Mathieu Péan dans cette rencontre. Et ça aussi, hein, c'est difficile pour le gardien de but de Grenoble. Il n'a pas eu pour l'instant beaucoup de choses à faire. Et on sait, hein, que ce soit dans le hockey traditionnel comme dans le hockey e-sport, et ben, un gardien qui n'a pas beaucoup de lancers ou qui n'en a que quelques-uns. De temps en temps, bah, c'est difficile de rester focus, mais on peut compter sur l'expérience de Péan. Allez, derrière la cage, il fallait récupérer par les Suédois. Ouais, les Grenoblois qui vont sans difficulté le récupérer. Puis pour compléter ce que tu disais, Lucas Orac, le gardien des BDL, nous avait fait une petite interview dans laquelle il nous disait faire des phases de concentration, en gros de 5 minutes, et de parfois se relâcher un petit peu pour justement être toujours... toujours d'attaque et vigilant, les gardiens, c'est vraiment au hockey un poste très très particulier avec là pour le coup les Grenoblois qui repartent avec Trommer peut-être au centre, ça va redoubler. Hein. On était bien monté du côté de l'arrière. Malheureusement les Grenoblois qui vont perdre le palais. Et on a franchi le cap de la mi-match, Grenoble est en avance d'un but, mais on aimerait bien un petit deuxième pour être un peu plus confortable. C'est un fait que cette formation pour l'instant de Dice Hockey ne semble pas véritablement mettre Grenoble en danger, mais toutefois un coup du sort, un contre, un palais perdu, une mauvaise relance, et bien tout peut vite tourner dans ce championnat continental que vous avez déjà découvert comme étant particulièrement compétitif. Bon lancer de Merle à l'instant, toute la fanbase de Raphaël Merle s'est levée comme un seul homme à l'instant à la faveur du lancer de leur protégé. Le Lyonnais de cette équipe de Grenoble. Allez, les Grenoblois qui vont pouvoir encore une fois s'essayer au tir, le rebond, ou j'ai cru que vous avez récupéré. Oui, autogol. Voilà. Autogol, on va pas s'en plaindre. Il est joli. Avec cette belle coupe de cheveux de ce sympathique joueur moldave. Oui, et ben voilà, but contre son camp du patin, ça t'apprendra à avoir des patins aussi moches. Ah, c'est vrai que la crosse de Noël aussi, c'est un peu plus. La crosse de Noël, la coupe de cheveux de ma petite sœur, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Et les patins de mon petit cousin, c'est quand même très particulier comme. Enfin bon, écoutez, chacun est libre d'arborer les couleurs qu'il souhaite comme il le souhaite. Loin de nous l'idée de juger les goûts et les couleurs. Une petite charge après le coup de sifflet. Chargette. Une chargeounette. Une chargeounette. Les Grenoblois qui mènent 2-0. J'ai envie de te dire que maintenant il faut continuer ouais, comme j'ai... ça. Ah, j'ai une question, tiens, j'en sais. As-tu fait la paix avec ta co-commentatrice Non, j'ai toujours T'es toujours dans l'œil, fais gaffe parce que
Ça va peut-être venir se frapper à ta porte. Bonjour, c'est le FSB, venez nous ouvrir. J'ai de la chance, elle est confinée à 400 km, donc pour l'instant ça se passe bien. Mais j'ai peur de recevoir un petit cercueil dans 2-3 jours par la poste. Une balle de 9 mm dans une enveloppe. Je crois que le message sera assez clair. Les Grenoblois qui vont peut-être concéder un premier tir. Pour l'instant, très sincèrement, la défense grenobloise a pris le dessus. Grenoble, de toute façon, tu l'as relevé en avant-match. J'en sais, cette formation de Dice prend peu de lancers, marque peu de buts dans cette première partie, enfin deuxième maintenant. Aucun arrêt de Mathieu Péan avec de la réussite parce que le joueur s'est un peu manqué. Reste qu'il fallait quand même la saisir, celle-ci. Le gros palais des Suédois dans ce match. Pour l'instant, il était là. La passe et l'arrêt à nouveau de son vis-à-vis. Péan fait l'arrêt. Impeccable mouvement du gardien de but des Brûleurs de Loups e-sport, j'en sais. Ouais, pour un rappel, hein, Grenoble a marqué 45 buts. Dice n'en a marqué que 29. Hein. Ça fait quand même un différentiel assez important. Alors après, tout le monde ne joue pas les adversaires, etc. Faut faire le compte. Pas dans le même ordre, en tout cas. Voilà, c'est plus juste. Faut faire le compte à la fin. Mais pour l'instant, on voit que les Grenoblois en défense trouvent la solution. Péan, quand même, là, encore une fois, un bel arrêt. Et Lavigne, peut-être, côté droit, il y a peut-être un coup à jouer. Il va tout seul. Oh, il sort. Oh, c'était beau. Oh, plein fer, là, pour Franklin. Consécutivement à ce bon service de Lavigne, mais ouais, là il en le gardien de but peut remercier ses poteaux. La deuxième période qui s'approche de son terme et dont on devrait en rester là du score de 2-0 pour les Brûleurs de Loups, à moins peut-être d'un lancer. Non, il n'a pas vu le chrono, ils n'ont pas vu le chrono, ils ne voient toujours pas le chrono, c'est dommage. Reste que Grenoble donc est à l'avance, 10 tirs à 3, 13 mises en échec à 7, 3 minutes 11 contre 2 minutes 21 en zone, 82 contre 83 contre 80 en pourcentage de passe, et les mises au jeu alors en revanche à l'avantage des Suédois et une pénalité avortée de part et d'autre. Pour l'instant Grenoble tranquillement fait son travail. Mais j'en sais, on va pas se le cacher, à l'image de cette magnifique intervention de Péan, les Suédois sont capables d'en claquer un, donc un petit troisième, ça nous mettrait bien quand même. Oui, il faut continuer, d'autant qu'il y a encore un match derrière, donc se relâcher, ce serait une erreur professionnelle, va-t-on dire, avec le gardien grenoblois de la botte qui permet de dévier le palais et de continuer à jouer. On va perdre le palais dans l'entrejeu des Grenoblois qui doivent rester sérieux et des Suédois qui doivent continuer à être hors jeu. Comme ça, tout sera parfait. Allez, on est dans la troisième période du premier match, du premier des deux matchs de la soirée entre Grenoble et Dice Hockey en ECL. Le championnat continental organisé par un NHL Gamer et les Suédois qui sont en phase offensive avec cette rondelle contrée par Trommer. Voici Merle avec Trommer, la passe pour Franklin qui ne parviendra pas. Beau pressing des joueurs de Grenoble qui récupèrent la rondelle. Ouais, les Grenoblois qui vont pouvoir repartir sur le côté droit. Avec Merle qui dédouble, c'était bien joué ça, l'espèce de montée, enfin la montée du défenseur droit. On va pouvoir repartir Trommer pour Lavigne. Allez, là il y a un coup, la différence elle est faite, on va essayer. Ouais, non, il a été pris à la vitesse et au physique, un petit coup d'épaule, celle-là un petit peu secoué. Lancé de Cronier, une déviation, et le gardien de but avec beaucoup de maestria qui parvient à se saisir de cette rondelle qui n'était, croyez-moi, vraiment pas facile, parce que dans la vraie vie les déviations c'est déjà un enfer pour les gardiens de but. Alors dans le hockey e-sport c'est encore un niveau au-dessus. Oh, le poteau de Merle sur cette belle frappe lointaine. Les déviations sur le soft elles sont très très difficiles à appréhender, et bien souvent les gardiens qui parviennent à s'interposer sur un palais dévié le font avec talent certes, mais aussi bien souvent avec un petit peu de réussite. Grenoble, là, il y a encore un coup à jouer côté gauche, peut-être aller au centre. Non, on s'est bien fait rattraper par la défense. Et les Suédois qui défendent un petit peu mieux, là, qu'on comprit un petit peu le jeu offensif des Grenoblois. Il faudrait proposer autre chose avec là sur la gauche. Ouais. Franklin l'a donné, mais le défenseur a pu gêner la passe. Pénalité contre les Grenoblois, effectivement. Grenoble qui, dans les 10 dernières minutes de jeu de ce premier match de la soirée, vont... Oh là, il a pas fait le voyage pour rien, là, le capitaine de Grenoble.
Lui non plus. Oh là là. Bah écoutez, cette rencontre est en train de monter d'un cran, ce qui n'est pas pour me déplaire. Oui, bah écoutez, en voilà un qui n'aura pas mal aux dents demain matin. Ou encore que. Encore peu, on sait jamais. S'ils sont très roleplay, il peut avoir mal. Ouais. Allez, pénalité de 2 minutes contre Alexandre Lavigne. C'est bien fait ça. Allez, fallait gagner par les Grenoblois en défensive et qui parviennent à se donner un peu d'oxygène à la faveur de ce palais dégagé par Franklin. Voici les Suédois à l'attaque avec l'ailier droit qui va positionner derrière la cage. Mais la passe est mal ajustée ou en tout cas pas coordonnée vers la cage. Belle défensive de Franklin qui est descendu bas dans la boîte des joueurs de Grenoble qui ne parviennent pas à se relancer. Allez, attention les Grenoblois, voilà, c'est bien, on peut écarter encore le palais, alors pas suffisamment pour qu'ils sortent de la zone défensive, mais pour l'instant les Suédois qui se. La petite passe entre les jambes qui se trouvent pas en position de tir, et gentiment la pénalité qui va venir à son terme. Oui. Alors. Il y a des petits messages personnels. Hein. Il y a les dossiers qui sortent. Je vous rappelle, messieurs, que nous sommes, ça n'est pas à nous, commentateurs sportifs, de divulguer les ragots, comme quoi Raphaël Merle, attention à cette interception, fréquenterait assidûment le site de rencontre Tinder. Les amis, restons professionnels. Et voilà le deuxième but, le premier but sur cette très très belle passe levée de l'ailier gauche qui trouve son vis-à-vis à travers la défense. Belle phase de jeu de l'équipe suédoise qui va nous rappeler que l'on n'a pas encore gagné ce match et qui va nous aussi, j'en sais, nous remettre un petit peu dans un peu plus de sérieux à l'entame des 5 dernières minutes de cette rencontre. Pénalité à l'avantage des Grenoblois. Il faut impérativement là marquer, j'allais dire, hein, sur ces 2 minutes à suivre. Parce que sinon, on va vivre un enfer sur la fin du match. Les Suédois qui n'ont pas montré grand-chose. Je pense qu'ils vont lâcher les chevaux. Les Grenoblois qui gagnent la mise en jeu, qui vont pouvoir essayer. Ou malheureusement, c'était un peu trop lisible. Et le palais qui va arriver jusqu'à Péan. Allez, les Grenoblois. Il faut remonter rapidement cette rondelle. Alors que les Suédois sont déjà positionnés. Passe mal ajustée, monsieur Trommer. Un peu plus d'application. Dans cette phase essentielle de la fin de match, voilà la passe pour Merle qui va aller s'installer en lieu et place de Lavigne, mais qui est dépossédé. 4 minutes à faire à la période, 30 secondes à faire à l'avantage numérique, et on est sous le coup près d'un but d'écart. Merle contré par le défenseur. Ouais, sinon, c'était vraiment dangereux, mais là, le défenseur s'est parfaitement positionné au devant du lancer de l'arrière droit de Grenoble, là qui subit une charge limite, dirons-nous. Elle était peut-être discutable, mais jouée à estimer monsieur l'arbitre. Derrière la cage, voici Trommer qui prend un lancer dans un angle un peu fermé. Et les Suédois se saisissent de la rondelle. Ouais, là, il faut récupérer le palais et faire courir cette équipe suédoise là, qui en a plein les pattes comme les Grenoblois. Allez, attention, on est côté gauche. On va passer derrière la cage certainement, on revient, on cherche un partenaire de marquer, on va pas le trouver. Un peu lisible, belle interception, pourquoi pas, il faut gagner du temps, il reste 55 secondes. Absolument, et là on est en temps intégral, je le rappelle, une fois encore, la dernière minute se joue en temps réel, c'est-à-dire que c'est une vraie minute, et il se passe très très souvent des choses dans cette dernière minute. En ECL, lancé lointain de Cronier, allez on se replace les Grenoblois. Encore du temps hein, pour les Suédois, c'est loin d'être fini. Allez, Lavigne qui se saisit de la rondelle, il faut le mettre au large. C'est bien voilà ouvert, qui est fait, Trommer de contre 1 avec Franklin. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pourtant là, mais le gardien a pu se saisir de la rondelle. Le jeu derrière la cage, on remet au premier poteau. L'arrêt de Péan, une fois encore. Allez, 13 secondes, cette fois il faut garder le palais, les Grenoblois. Il n'y a pas de sens à prendre un risque, voilà, il l'a compris Lavigne, mais attention parce qu'il rend le palais, 5 secondes ça peut suffire. Attention, les Suédois sont en zone. Le lancer, oui. Et bah écoutez, ouais. Je vous avoue que j'ai une petite goutte de transpiration qui vient de partir de la base de mon cou, et tu vois ce que je veux dire. Les Grenoblois, ouais, attention parce que cette fin de match.
L'homme du match, c'est le gardien adverse. Ouais, là, c'est l'action du match. C'est vrai qu'il fait une belle game, hein, attention, là, cet arrêt extraordinaire. Hein. La déviation, là, elle est très très difficile à prendre. Enfin, écoutez, on va pas bouder notre plaisir, j'en sais. Le premier acte est remporté avant l'overtime, c'est bien le plus important. Mais j'en sais, il faudra bien se souvenir de cette fin de match, de cette mise sous pression, en troisième période, et puis aussi de cette... comment dire, de cette difficulté à conserver le palais en fin de match pour bien gérer le temps faible et puis surtout pour faire tourner le chrono à l'avantage d'une équipe qui est à l'avance assez clairement pour ce qui est des stats et de un seul but au tableau d'affichage. Oui, oui, les Suédois, on l'avait dit quelques minutes avant, n'avaient pas montré grand-chose, mais on savait que la pression allait arriver. Bon, les Grenoblois ont gagné, c'est l'essentiel. Ça aurait été cruel pour les Grenoblois de prendre un deuxième but, mais après, bah voilà, hein, c'est le sport. Et je pense que ça aurait fait très très mal à la tête. Maintenant, il faut voilà, boire un peu de verre, un petit verre d'eau, se reconcentrer et se dire que... alors, j'ai refait les calculs, hein, mais une deuxième victoire emmènerait les Grenoblois quasiment à la sixième place. Avec le jeu des matchs en retard, etc., etc. Et je pense que ça enlèverait sans doute un poids aussi à cette équipe. Donc ouais. Là, le mot d'ordre, c'est de se, voilà, de se reconcentrer, de rejouer, même si on a vu un peu de flottement à la fin du match, même offensivement. Ouais, et puis ce qui est, tu sais, enfin, comme tu le sais, j'en sais, moi j'ai joué avec tous ces garçons, à l'exception d'Adrien qui vit son premier OCL. J'ai joué avec tous les garçons qui sont là sur la glace ce soir, et j'ai, ça peut paraître un peu pompeux, mais j'ai toujours insisté sur les fins de match quand il y a un but d'écart. Le but du jeu, c'est pas dans les... Alors si on a une cage ouverte, si on a un breakaway, évidemment, on va pas tirer dans les gradins pour faire plaisir au petit Kevin qui demande un palais, mais le plus important, c'est de gérer l'avance. Et là, Laving, il a rendu le palais au fond de glace. Il a permis une contre-attaque, 5 secondes à faire à la ligne rouge, c'est largement suffisant. Il faut garder le palais, il faut bloquer contre la bande, il faut faire un petit peu d'anti-jeu, mais en zone offensive, jamais en zone défensive, parce que sinon c'est dangereux. Et ça, je l'ai dit, redit mille fois dans les équipes où j'ai pu jouer, et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il faut comprendre que bien, c'est comme un match... Elle arrive. Elle arrive, vas-y, oui. Elle arrive. Ouais, non, non, c'est pas celle-là. Il faut comprendre que quand on mène d'un but, il faut pas prendre de risque. C'est ce que tu penses. Non, il faut pas prendre de risque. Là, Laving, il fait une erreur stratégique en rendant le palais, alors qu'il reste un peu plus de, allez, une petite 10 secondes à jouer. Mais je rappelle que c'est une 10 vraies secondes, et donc on a largement le temps d'inverser la tendance. Il faut garder le puck, il faut temporiser, on met au fond, on va garder derrière la cage. Effectivement, si une opportunité se présente, on va la convertir avec grand plaisir. Mais là, attention les garçons, parce qu'on a donné le bâton pour se faire battre, surtout avec un but d'écart. Alors, un avertissement sans frais, et c'est très bien. Maintenant, les Grenoblois, attention, ce deuxième match, on l'a vu, j'en sais, cette équipe suédoise, eh bien, est à prendre avec beaucoup de sérieux. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je pense qu'il faut, il faut pas les prendre. Enfin, c'est le deuxième match sera un match complètement différent, et les Grenoblois se sont imposés d'extrême justesse. Attention, ouais. Soyons prudents. Je vais profiter de la pause pour saluer le capitaine, enfin l'assistant capitaine des Brûleurs de Loups et le capitaine de l'équipe de France, Damien Fleury, voilà, avec qui j'ai envoyé un petit message et qui m'a répondu. Voilà, je lui souhaite plein de bonnes choses à Damien, et puis on va se rappeler. Voilà, il va suivre un peu ce qui va se passer. Écoute, l'invitation est officielle. Damien Fleury est le bienvenu en débrief ou même en pré-antenne quand il le veut, au même titre d'ailleurs que les autres joueurs des Brûleurs de Loups. Mais puisque c'est un de tes bons camarades, me semble-t-il, et bah écoute, Damien, l'antenne t'est ouverte quand tu le souhaites pour venir discuter un petit peu avec nous de tout ceci. On aura grand plaisir à t'avoir ici avec nous. Alors, j'ai à nouveau un problème pour rejoindre le partage. Alors voilà, je vais peut-être réussir à rentrer. C'est difficile. Alors que l'on m'informe que les moyens techniques du côté de la Cancun Arena, la Braten Arena de Cancun, non, j'y arrive pas à rentrer. Alors si je passe par là, attendez, pardonnez-moi, hein, nous sommes à nouveau en direct. Hein, Pour l'instant, les adversaires sont pas là non plus. Alors, non, alors j'ai relancé, non, invite parti STP. Ah, vous êtes dans les coulisses, hein, les amis. Du coup, là, c'est le match à Grenoble.
Ouais, c'est le match à Pôle Sud avec les moyens le badge, techniques. Si tu veux, j'ai le badge à côté de moi. Sans prétention aucune, j'en sais. Je pense que je rentre à Pôle Sud en deux coups de fil. c'est arrivé bien, d'ailleurs. Mais... Et j'ai réussi avec une certaine fierté, je dois le dire. J'ai réussi avec CN, mais. Très peu estimé qu'ancien confrère qui m'avait dit non mais attends Pôle Sud maintenant c'est pas un moulin, on rentre comme on veut. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un... Non, je me suis présenté à ce sympathique personne de la sécurité. Je lui ai dit dites que je suis là, dites à monsieur Tomasini que je suis là. Je pense que ça ne posera pas de problème et je suis passé. Et l'autre, je crois qu'il a encore les mâchoires qui sont sur le trottoir. Voilà, je sais qu'il s'il m'écoute, je sais qu'il s'est reconnu et je le salue de très très loin. On va aller là. Il y a des gens qui se prennent pour des journalistes. Il y a des gens qui se prennent pour des journalistes, mais ça prend beaucoup plus de compétences et d'abnégation que de mettre simplement son nom en bas d'un article. Voilà, c'était à dire et c'est dit. On veut El Salonio. Alors ça, c'est un message pour toi parce que El Salonio, je ne sais pas qui c'est moi. Eh bien, écoutez, on l'embrasse. Je ne sais pas. On veut moi El Salonio au micro. De qui il peut s'agir. Bah, écoutez, avec grand plaisir. Hein. Si vous pouvez nous en dire plus, on l'aura. Mais c'est peut-être un pseudo détourné de Merle parce que. Ah non, attendez, hein, toujours dispo, El Sanio, pour se dire. Pardon. Alors attendez, parce que ça y est, j'ai réussi à rentrer parti. Je suis là. Ah. Les Suédois sont dans l'avion pour l'instant. Les Suédois sont dans l'avion. Ah, bah, ça m'a fait plaisir de la placer celle-là, tu vois. Hein, ça va mieux. Ouais, vraiment, ça m'a fait. Que t'avais un truc sur le. Plaisir. Ah ouais. Et comme je sais que je parle à un homme de droit, je pouvais pas dire le nom parce que je me serais opposé à des remontrances et peut-être des poursuites en diffamation. Mais ouais, je peux pas non plus la dire celle-là. Mais voilà. Bref. Ah bah ça fait du bien. Notre premier fan, El Salonio, il serait heureux comme tout. Ah bah écoutez, il va nous offrir un Twitch Prime et puis on verra après. Allez, les Grenoblois et les Suédois qui sont en cours de matchmaking pour la deuxième rencontre. Je vous avoue hein, que les supports de... Les supports de parties et les supports de communauté PS4 sont un peu en souffrance ces jours-ci. Alors pour ce qui est des serveurs de Call of Duty Warzone, je vous dis même pas, hier soir c'était l'encéphalogramme plat. On avait l'impression de jouer à Tetris. Venez jouer sur PC, les amis. Je vous attends. On est des petites gens, nous, monsieur, on n'a pas les moyens de jouer sur PC. Allez, voilà. Les joueurs de Grenoble qui s'apprêtent à vivre la deuxième rencontre pardon, de la soirée. Reprenons nos esprits, notre concentration et notre sérieux. La connexion est à peu près aussi dégueulasse au deuxième qu'au premier match. Si je peux en juger de Coco qui habituellement tourne autour de 12-15 ms et qui là est à presque 40, alors c'est infime. Enfin, c'est quand même une indication importante. Ça n'a pas empêché les Grenoblois de s'imposer au match aller et on leur souhaite la même chose au match retour, j'en sais. Et alors que Volano 97 qui joue en face s'appelle encore une fois. Oui, je me suis fait la remarque en regardant le... Ouais. On va pas peut-être faire à chaque fois la recherche du joueur français. Non, on va pas y passer la nuit non plus. Suédois avec un beau maillot blanc pour le coup qui perdent le palais heureusement en zone offensive et les Grenoblois qui vont par l'intermédiaire de leur centre et le perdre à leur tour. Attention, on perd le premier arrêt. Ouais, ça va être un autre match sur les premières secondes qu'on est amené à voir. Allez, les Grenoblois avec Lavigne en fond de glace pour cette belle récupération au physique. Avec Cronier à la bleue qui met au fond et qui permet à Franklin de glaner la rondelle. Les joueurs de Suédois s'en saisissent. 4 minutes de jeu, 0-0. Allez, toujours des Grenoblois qui repassent par leur arrière-garde, j'allais dire. Franklin, là, malheureusement, il ne va pas y arriver. Attention, parce que les Suédois, on les sent bien plus pressants que dans le début du premier match. Ils sont restés sur l'élan de la fin du premier. Donc attention à ces Grenoblois qui avaient subi et qui perdent un palais important.
Allez, je te laisse garder la main, j'en sais, Pardon. je règle un petit problème technique si tu le veux bien. Péan qui fait un énorme arrêt là, parce qu'on n'était pas loin de l'ouverture du score et un deuxième arrêt consécutif. Ouais. Péan, sur les 5 dernières secondes, il vient de sauver par deux fois ses camarades de jeu. On n'était pas loin du 1-0 suédois. Voilà, on est resté dans le même tempo, les Suédois Bon en mode lancé, diesel. bon lancé, mais bel arrêt de Péan. Si on peut me confirmer, Ronny, notamment, que le son in-game est bien de retour, s'il vous plaît. J'ai transmis à Jean-Jacques Edringer dans sa caravane de montage technique. Ouais, interception, attention, ouais, c'est bon, bravo. Attention, bel arrêt. Attention, les Grenoblois, à ce début de match qui ressemble à s'y méprendre, à un début de match qu'on a bien connu il y a quelques jours. Voilà la première partie de la période qui va s'achever. Et Trommer, derrière la cage. Une pénalité à venir sur cette intervention défensive illicite. French Goalie est avec nous. Romain Lefebvre, le gardien de but de français de l'équipe finlandaise de Mustachios dans ce même championnat de CL Light qui ce soir est au repos, à la différence de Rudy Debray, le gardien de toujours gardien français de Fearless Knights, qui devrait jouer dans quelques instants. Alors que l'on m'informe du côté de Cancun que malheureusement le match ne sera pas retransmis pour des problématiques techniques. On va vous suivre au plus près, les amis de Cancun en ECL Neo. J'ai des limiers un peu partout en Europe qui devraient bien sûr me tenir informé du score. Les Grenoblois en avantage numérique. Il reste 1 minute et 30 secondes. Et j'en sais les joueurs de Grenoble qui seraient bien inspirés d'aller convertir cette première tentative en avantage numérique. Ouais, allez, là on pose bien le jeu là pour l'instant du côté de Grenoble. On va peut-être fixer, tirer la déviation. Alors ça va passer à côté, on va repartir hein, sur Cronier qui va donner à Merle qui va pas trouver la solution. Attention au repli, on va gagner les 40 secondes qui restent du côté des Suédois pour tuer la pénalité en ramenant les Grenoblois dans leur zone défensive. Le palais a un peu de mal offensivement là pour l'instant du côté des BDL. Absolument, reste que la formation suédoise a tué cette pénalité avec une certaine aisance, dirons-nous, en dehors de deux lancers assez lointains. Il n'y a pas eu grand-chose à faire pour la défensive. Ah, il aime bien ses entrées sur son coup droit. Franklin, il a déjà marqué plusieurs buts dans ce registre, mais là pour l'instant, eh bien, l'ailier gauche est resté bredouille, si vous me permettez l'expression, avec Merle. Les Suédois sont devenus plus pressants sur les sorties de zone grenobloise. Ouais, on prend Grenoble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut et les Grenoblois qui sont obligés de sortir en individuel. Hein. On n'arrive plus trop à donner du sens, j'allais dire. En tout cas, tactiquement, c'est plus compliqué avec un tir. Pourquoi pas le rebond? Ça serait bien de marquer contre le cours du jeu ou presque. Ouais. Du gardien. Alors que Romain Lefebvre m'informe que son équipe finalement jouait et qu'elle a perdu ses deux matchs, eh bien le calendrier des NHL Gamers n'était pas à jour. Je ne vous en félicite pas, monsieur Lefebvre, sinon j'aurais annoncé les deux matchs. Hein, si vous nous rejoignez, les amis, tout ce que nous sommes en train de vivre, vous pouvez le vivre encore de plus près avec le site NHL Gamer, bien sûr, .com, avec également la page Facebook eSport Hockey France, très facile à localiser. Et le but, voilà, ça nous pendait au nez du côté des Grenoblois, l'ouverture du score de Dice Hockey, alors que Grenoble, j'en sais, je n'ai pas peur des mots, n'est pas du tout rentré dans ce match. Ouais, Grenoble n'est pas du tout rentré. Hein. La courbe des Grenoblois est en descente hein, depuis le début du premier match, alors que celle des Suédois ne fait que monter. Les Grenoblois qui prennent un but qui n'est voilà, pas volé, il n'y a pas grand-chose à dire. On est mené territorialement sur ce premier tiers de ce second match. Il reste 2 minutes 50. Merle a un petit peu avalé la trompette là. Il n'y aura pas de pénalité. Allez, ouais. il faut se remettre dans le sens du jeu du côté de Grenoble avec peut-être cette opportunité avec Lavigne. Derrière la cage, on revient bien, le tir, là c'était bien un bon enchaînement, on a récupéré. De la réussite en défensive. De la réussite en défensive pour la formation suédoise, mais la réussite, elle n'est jamais liée au hasard, me direz-vous. Et preuve en est, puisque là, les Grenoblois balbutient leur hockey offensif. Et ils sont en train de remettre en selle la formation de Dice Hockey, qui n'en demandait pas moins, j'en sais. Pour se refaire la cerise, la soirée que nous sommes en train de vivre me rappelle très très curieusement une soirée que nous avons vécue il y a très peu de temps.
Ouais, on a des grenoblois, mais en fait le vert et rouge couleur bulgare, c'est la mode de l'équipe, j'ai l'impression. Mais c'est, ouais, on a vécu ce genre de soirée. Alors juste, en fait, notre ami qui a un pseudo français et pas du tout français, il est suédois, Enrique Ekstrand. Voilà. Et on l'embrasse. Oui, enfin, j'ai l'impression que Grenoble là est sans solution. Je sais pas ce que t'en penses. On les a sentis complètement perdus dans ce premier tiers. Bah, le dispositif défensif de premier rideau est monté d'un cran du côté des Suédois. Hein. On est monté d'une ligne, hein, peut-être même de deux, hein, d'une trappe à la bleue. On est passé d'une trappe à la bleue défensive, on est passé quasiment d'une trappe à la bleue offensive. Et ça, Grenoble n'aime pas, c'est difficile. En dépit des belles individualités et des belles compétences techniques de chacun des joueurs, reste que il y a du travail effectivement pour aller chercher d'abord l'égalisation, mais avant de penser à l'égalisation, j'ai surtout envie de dire, j'en sais, de retrouver de la consistance, parce que là, Grenoble est loin de son sujet. Ouais, complètement. On n'arrive pas à maintenir le palais et à trouver tactiquement quelque chose qui pourrait mettre les Suédois au moins en inquiétude, j'allais dire. Les Suédois là qui font un peu ce qu'ils veulent, il faut repartir. Je pense que ça peut repartir de la vigne notamment, qui est généralement plutôt actif sur son côté droit et qui a son pendant côté gauche. Et voilà, là on vient provoquer la faute. Oui. Et ça part de là. Regarde, ça part de là, la supériorité, le but, et on repart de l'avant. Allez, il faut absolument se saisir d'abord de cette rondelle. Trommer au face-off qui le gagne pour Merle. Cronier, pardon, le retour. Et le retour pour le centre de Grenoble qui malheureusement voit son gardien de but. Il est hors jeu. Oui, le hors-jeu grenoblois. Trommer était parfaitement positionné. Alors j'ai peut-être pas été clair, hein, pour qui me posait la question. Alors El Salonio, hein, il y a d'un côté le groupe, la page eSport Hockey France. Et d'autre part, le groupe Facebook pour les joueurs qui souhaitent rejoindre la communauté, le groupe LHEAS francophone. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis de toute façon, nos identifiants PSN, Facebook, Twitter, Instagram, et même, apprend-on, pour certains des joueurs de Grenoble, Tinder, sont connus. Donc vous n'aurez pas de mal à nous trouver pour nous poser vos questions. Avec... cette tentative, ouais, regardez le positionnement défensif des joueurs de Suède. Ils sont tous à plat à la bleue. Voilà, on a réussi à rentrer, lancer lointain, déviation, arrêt avec une belle réussite là du gardien de but. Merle, lancé de Cronier, but. Ouh la louche sur cette déviation de Trommer, récidiviste. Il avait fait la même lors du dernier match. Lancé de Cronier, déviation de Tromi dans la lucarne. Opposé, et eh bien ça les amis, c'est un sacré but. Ah, il est beau et on ne peut pas perdre à Pôle Sud contre une équipe en blanc, jaune et noir. Ce n'est pas possible. Ça te rappelle des mauvais souvenirs? Malheureusement beaucoup. Tu sais où je suis né. J'ai cru comprendre que oui. Mais alors, écoute, j'ai passé presque autant de temps de ma vie à Grenoble qu'à Rouen. Et j'ai même ramené un cadeau souvenir de Grenoble puisque j'ai épousé une grenobloise, comme tu vois. Donc tout va bien. Allez, les grenoblois ont fait un pas très important à la faveur de cette... Attention, oh, putain. Il y a un gros mot, mais je l'ai pas fait exprès. On n'a pas eu le temps de s'avouer. Un petit peu de naïveté là dans le positionnement défensif. La cage était très 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 ouverte de l'arrière de la ligne. Et malheureusement, j'ai envie de dire que tout est à refaire. Allez, Trommer, il est en train d'engueuler ses coéquipiers. Je le sais, je l'entends, parce qu'il n'a pas de solution. Et il... enfin, d'engueuler. De vertement semoncer, si vous me permettez l'expression. Parce que ça n'a rien à voir. On va revenir sur Tinder si ça continue. Non, restons sérieux quand même 3 secondes, parce que Trommer, quand il fait ça, je connais un peu l'animal, c'est qu'il a pas de solution, ça l'énerve. Et donc, allez mon bonhomme. Ah, oh, putain. Les hors-jeux ont changé de temps. Hein. Les matchs, les enfants, les matchs se jouent et se gagnent avec la tête, et se jouent et se perdent quand on la laisse au vestiaire. Et là, Grenoble, alors certes, est quand même bousculé par cet adversaire qui joue crânement sa chance, mais les Grenoblois ont besoin très très vite de se remettre la tête dans le bon sens, notamment à la faveur des sorties de... Allez, il a passé le premier rideau.
Il a passé le deuxième. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez, c'est bien joué. Voilà, le lancer et l'arrêt du gardien de but, c'était bien, parce que le plus important, c'est de réussir à sortir un joueur du dispositif de la trappe, parce qu'on arrive à créer un décalage beaucoup plus facilement. C'est ce qu'a su faire Trommer sur cette action, et derrière, il a facilement trouvé Franklin. Ouais, je pense qu'il va falloir mettre un Peggy 18 hein, sur le chat. Les Grenoblois qui vont passer derrière la cage. Voilà. C'est mieux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux offensivement là du côté des Grenoblois. Peut-être que cette égalisation leur c'est bien avec le deuxième, les a vraiment piqué au vif. C'est mieux, effectivement, on approche de la mi-match, on y est hein, à quelques instants près. Et Grenoble, effectivement, semble un petit peu se reprendre et on ne peut que les encourager à continuer. Cronier, le lancer, il est contré par l'arrière du patin de son coéquipier. Ça, c'est quand même pas banal. La vigne avec Franklin, il a un petit peu tardé, la vigne. On voit qu'ils doivent impérativement recommencer la même défense que dans le premier match. On avait éteint pendant deux tiers les Suédois. On avait plutôt eu du mal dans le troisième. Et là, c'est tout de suite le palais qui va être remis pour un tir de loin. Le gardien. Bel arrêt du portier, mais arrêt sans difficulté du gardien de but de Grenoble, de l'équipe de Dice Hockey. Sortie de zone, elle est exemplaire là, des Suédois. Ils nous ont fait à gauche, droite pour sortir tranquillement. Les Grenoblois bien mis, qui vont pouvoir jouer sur la vigne. La vigne peut-être sur un centre au premier poteau. Le palais qui traîne, on n'a pas réussi à s'en emparer. C'était encore une grosse occasion. Je te laisse ta main deux secondes si tu veux bien, j'en sais parce que j'ai un petit incident diplomatique à gérer. Pas de souci, les Grenoblois qui vont pouvoir repasser par. Franklin sur le côté gauche, on vient s'enfermer un petit peu, s'empaler sur la défense suédoise. Les Grenoblois qui récupèrent beaucoup, beaucoup plus haut le palais avec Cronier qui va chercher Trommer malheureusement. Attention aussi à ne pas laisser derrière des opportunités comme c'est le cas parce que là ça va être une grosse occasion. Magnifique l'arrêt de Péan. J'ai vécu en direct une engueulade maternelle à l'endroit de ma fille qui ne veut pas aller se coucher. C'est aussi les joies du direct. Bienvenue à la maison. La fille à la patinoire. Tout à fait. Ouais, ça, je veux dire que. Allez, Lavigne, on est dans les derniers instants de la deuxième période. Belle transition. Ah, oh, c'est dommage. À une demi-seconde près, c'était transmis pour Lavigne. Et je pense qu'on aurait pu lever les bras à Péan qui s'interpose une fois puis deux fois. Bon, le deuxième palais était facile. Allez, Raphaël Merle, la passe, sans l'arrêt, avec de la réussite. Des blocs qui doivent et qui devront, dans le restant du match, continuer à appuyer comme ça, offensivement. C'est plutôt pas mal, offensivement. Hein. Le deuxième but est vraiment rageant, parce qu'il est arrivé bien trop vite après l'égalisation grenobloise. Ouais, on va espérer une troisième période d'un niveau encore plus... Un niveau beaucoup plus soutenu, tant dans le rythme des passes, des sorties de zone, des transitions, mais aussi dans l'animation offensive, parce que pour l'instant, on n'y est pas. Un but en retard, certes, mais le but marqué, c'est un beau but, mais c'est aussi un coup du sort avec cette déviation. Alors, vous me direz, s'il n'y a pas de shoot, s'il n'y a pas le mec pour la déviation, ok, reste que, bon, avec un peu d'expérience, c'est un coup du sort, et cette égalisation, Grenobloise tient. Non pas du miracle mais d'un peu de chance. Alors Grenoble, il va falloir un petit peu se calmer, un petit peu jouer avec un gant de toilette froid sur le front pour descendre en pression, retrouver les vertus collectives qui sont celles que l'on connaît, j'en sais, du côté de Grenoble, se calmer et retourner à l'attaque, parce que pour l'instant les Suédois sont en train de réaliser la belle opération. Ouais, continuer offensivement hein. Plutôt des belles choses sur cette fin de deuxième tiers. Et être peut-être moins naïf défensivement ou plus rugueux, ce qui avait très bien fonctionné. Ouais, le deuxième but, malheureusement. Le deuxième but. Mais j'ai envie de dire, alors je vais citer Ivan Linka, ça y est. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire, disait le coach tchèque de Nagano. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une petite naïveté défensive sur le deuxième but, admettons. Mais j'ai été défenseur pendant suffisamment longtemps pour dire que c'est trop facile de mettre en avant les carences des défenseurs. Parce que les carences des défenseurs, on les voit tout de suite.
un défenseur qui fait une connerie, il y a un but ou un gardien en difficulté, et ça c'est trop facile. Ce qui moi là me pose plus de problèmes, c'est que contre une équipe qui n'est pas la plus technique du groupe, on n'a pas de réponse offensive parce qu'on se complique la vie. Alors je le dis avec beaucoup de liberté et certes un peu de facilité, reste que là Grenoble en termes défensifs fait plutôt son job, mais offensivement on n'y est pas. Alors là on va voir ce que va nous proposer Lavigne, il va jouer en soutien, en appui plutôt sur Cronier, lui-même sur Trommer à la pointe, qui prend un lancer qui est contré parce que tout le monde est regroupé devant la cage du gardien de but. J'en sais, on n'est pas encore en état d'urgence, mais on n'en est plus très loin. Ouais, là on a besoin de sortir du confinement défensif. On va faire la blague une fois, mais les Grenoblois pour l'instant récupèrent le palais un tout petit peu plus haut. Maintenant il faut réussir à construire la 4 contre 2. Et Lavigne peut-être, Lavigne sur la rapidité pour aller chercher Trommer, ou peut-être même, on a voulu se servir des appels pour y aller tout seul, c'était pas idiot. Malheureusement, on a perdu le palais. Allez, faut donner du rythme. Maintenant il n'y a plus à calculer, il faut se projeter vers l'avant. On rend le palais malheureusement trop souvent et les Suédois ils n'en demandent pas tant. Allez, Franklin à nouveau dépossédé de la rondelle. Cronier, Merle, belle transition à la neutre cette fois. Mais vous voyez, ils sont comme des affamés. Ils sont comme des affamés les Suédois. Ils sont à 2, voire à 3 sur le porteur du palais. Vous me direz que c'est particulièrement risqué, mais finalement ça semble leur rendre service. Dans cette rencontre, puisque ils sont pour l'instant en avance d'un but. Coco qui ramasse des fraises dans la ligne bleue, dans la zone neutre, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Attention, faut pas prendre un troisième là parce que ce serait dramatique pour les Grenoblois avec Lavigne. Il sera pas sur son côté droit. Il était revenu soutenir un petit peu ses défenseurs. Les Grenoblois qui ont du temps encore. Hein, 9 minutes. Tu sais quoi, j'en sais. Je ne suis pas Madame Soleil, ni Monsieur Soleil d'ailleurs. Mais regarde, face-off en zone offensive. On prend le face-off, on installe et on marque. Ça te va? Écoute, oui. Bon, pour l'instant c'est bon. Et merde. Ça passe juste à côté. Ah, c'était pas loin. Bon, on n'a pas installé. C'était pas loin. C'est exactement ça. C'était pas loin. Il faut continuer. Attention à ce palais là. On le perd un peu bêtement. Le poteau péant qui vient sauver un peu tout le monde là. Il faut continuer à repartir de l'avant. On a changé d'aile pour Merle et ça va offrir 2 contre 1. Bien joué. Mais, belle intervention. Péant. Allez, Franklin. Franklin en défensant dans l'aile gauche. Mac qui perd le palais. Ils sont beaucoup plus mordants. Les Suédois beaucoup plus agressifs sur leur vis-à-vis. Attention à cette rondelle qui traîne. Allez, le palais en possession des crosses grenobloises. Allez, un autobus pour Franklin. Un autobus pour Cronier. Et on redescend. Il reste 4 minutes dans la rencontre. Allez, prendre son temps et prendre les infos surtout. Mais là, malheureusement, on perd. Je perds le palais. J'ai failli sortir de mon devoir de réserve, il s'en est pas fallu de beaucoup. Mais Einstein disait, la folie c'est de répéter inversablement la même chose et espérer un résultat différent. Lavigne, allez, Franklin, allez les garçons, on y va. Ah, dommage. 2 minutes à faire, on va pas leur offrir ces 2 points parce que ce serait vraiment une sale opération. Il va rester 1 minute intégrale, les garçons derrière, il ne suffit que d'un but pour aller forcer la prolongation. Et ensuite, tout deviendra possible. Allez, continuez. Cronier qui essaye, qui va conserver le palais. Faut peut-être qu'il s'en débarrasse. Sauf qu'il n'y a plus personne là derrière. Et ce sont 3 Suédois qui arrivent en force sur la cage grenobloise. Heureusement, on a pu récupérer ça pour longtemps. Allez, ce 43 secondes. Le temps va passer très vite pour les Grenoblois. Voilà. Oh, elle n'est pas passée la passe. La passe de Lavigne pour Franklin, malheureusement, n'est pas parvenue. Il reste 30 secondes. Il va falloir faire fort à l'amo devant la cage. Allez, Lavigne. Entre les jambes de ce gardien de but. On va appeler un temps mort du côté de Grenoble. Sortir peut-être. Non, c'est d'abord un temps mort appelé. On va évidemment favoriser. Pourtant, Grenoble est là en occupation du terrain, en lancer, en pourcentage de passe, en avantage de face-off. Tout est là. Mais j'ai pas peur de le dire. Grenoble balbutie son hockey. Trop d'approximations en dépit d'une pourtant
apparente domination, j'en sais. Il manque un petit quelque chose pour aller convertir. Il reste 28 secondes, j'en sais. Avantage à l'avant, à l'engagement en zone offensive. Cette fois, on rigole plus. Non, là, il faut vraiment que ton scénario de tout à l'heure se mette en place. Gagner impérativement le face-off et après proposer un tir. Allez, les faits. Allez, les bonhommes. On l'installe, on prend le temps, on lance à côté, on récupère. Cronier, 20 secondes. La vigne avec, voilà, avec l'envie. On va tourner autour, c'est pas mal fait. Maintenant, il faut proposer un tir parce qu'il reste une dizaine de secondes. On va fixer. Il y a beaucoup trop de monde devant la cage. Et ils vont envoyer au fond et les Suédois vont s'imposer dans ce match. En dépit d'une certaine logique statistique, mais à la faveur d'une certaine logique de lucidité, non pas d'engagement, loin de moi l'idée de le penser, mais en tout cas ils ont montré plus de combativité et bien encore j'en sais, un joker trop facilement grillé et on est vraiment déçu parce que Grenoble a dominé au nombre des shoots, Grenoble a dominé au temps en attaque, Grenoble a dominé au pourcentage de passes, aux mises au jeu et même aux supériorités numériques, une sur deux, et n'a pas donné de désavantages numériques, n'a pas offert de pénalité. J'en sais, l'histoire repasse les plats. Ouais, on va avoir, je pense, je sais pas si on a un joueur prévu. On aura Maximilien Trommer dans quelques minutes. Et je pense que le discours va être sensiblement le même que son coéquipier jeudi soir. C'est-à-dire que la défaite du deuxième match va prendre le pas sur la victoire du premier. Et on va rester sur cette déception, une déception légitime parce qu'on avait quand même le sentiment que Grenoble pouvait accrocher un résultat. Après, on les a sentis à la fin du deuxième match déjà, ça devenait compliqué. Ouais. On a vu effectivement, on l'avait annoncé d'ailleurs hein, que cette équipe de Dice était en train de grappiller, de revenir. À la truelle, j'ai envie de dire, et puis aussi à la hargne, en étant plus insistant. On avait été un petit peu échaudé par cette fin de match lors de la première rencontre. Et puis finalement, la deuxième rencontre a confirmé cette impression. J'en sais que Grenoble s'est fait pousser dans ses retranchements. Il y a eu beaucoup de palets perdus en dépit d'un pourcentage de passes assez raisonnable. Mais malheureusement, encore Grenoble perd d'un but et malheureusement avant le temps additionnel qui nous aurait bien arrangé. Ouais, c'est un petit peu compliqué là parce qu'en plus on a vu à la fin du match une certaine précipitation hein, la vigne qui venait côté gauche son coéquipier côté gauche ne pouvait pas aller le remplacer côté droit, on s'est un petit peu mélangé les pinceaux. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait de l'extérieur et peut-être que les Grenoblons ont senti hein, que cette équipe était à leur portée et que ça leur glissait entre les mains. Il va falloir travailler tout ça parce que ça va se reproduire. On va en parler avec Maximilien Trommer, le centre de cette équipe de Grenoble qui vient de nous rejoindre. Max, on parlera de la première rencontre dans un second temps parce que malheureusement, le sentiment d'amertume ce soir domine avec cette défaite 2-1 contre cette équipe de Dice qui a joué sa chance à fond, qui a été opportuniste, qui a profité d'erreurs. On a senti, Max, sans faire offense à l'équipe, une difficulté à répondre lors de ce deuxième match. Ouais, en fait, même sur le premier, il n'y a pas de maîtrise. En fait, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'on n'est pas du tout dans la maîtrise. On joue contre. Je veux pas leur faire offense, mais honnêtement, si on espère faire les playoffs, c'est des équipes où il faut prendre 4 points et c'est même pas discutable. Là, aujourd'hui, on se précipite, on fait des trucs qu'on ne doit pas faire. Il n'y a personne qui garde le palais. En fait, il n'y a personne qui prend le lead et c'est un problème parce que je suis dégoûté mais ce qui est dérangeant Max et ce qu'on disait avec Jean-Cyr, on va pas vous appuyer la tête dans le sable hein, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe, c'est cette difficulté que l'on constate souvent d'être dans la réaction plutôt que dans l'action. Pourtant moi je connais tous les joueurs de votre équipe, ce sont des bons garçons techniquement, ce sont des garçons qui maîtrisent les choses, mais on vous a vu ce soir encore une fois dans la réaction plutôt que dans l'action. Comment on peut expliquer cet état d'esprit? Parce que tu es dans l'action quand tu es en confiance et quand tu tentes des choses et tu vas tenter des choses et tu vas proposer du jeu. Là aujourd'hui on propose pas de jeu, en fait notre jeu c'est toujours le même, on va dans
on va dans le coin avec nos gros, on se met dans le coin, on revient avec les défenseurs, on prend un shoot, on va devant la cage. Et puis, mais ça demande beaucoup plus que ça. Les passes sont trop longues à se faire. Ça manque trop de mouvement. On est toujours, c'est stéréotypé. C'est contre des équipes comme ça. Au bout d'un moment, tu te fais punir sur deux erreurs parce qu'on fait deux erreurs. Début, on paye cash. Hein. Là aujourd'hui, ils ont. Enfin, ou alors j'ai pas trop de recul sur le match, mais pour moi, ils ont pas créé grand chose, mais ils ont profité de nos erreurs à fond. Effectivement, le deuxième but, on l'a constaté avec Jean C. Malheureusement, est la conséquence d'une erreur. Mais bon, on peut entendre, et tu sais, Max, tu as été défenseur aussi, on peut comprendre, même peut-être excuser les erreurs défensives parce qu'elles sont immédiatement comptables. Ce qui est plus difficile quand on connaît votre talent offensif, c'est de vous voir en difficulté contre une équipe qui, encore une fois, c'est vrai, ça c'est un problème, est très regroupée devant son gardien. Et ça, c'est vrai que c'est embêtant, mais bon. Mais honnêtement, cette trappe devant la cage, toutes les équipes le font. Le problème vient pas de quand on est en phase offensive. Le problème vient de la transition. La transition n'est pas bonne. Aujourd'hui, notre jeu en zone neutre, il est tout sauf construit. C'est une passe du défenseur vers l'attaquant. On rentre avec le palais le long de la bande. Ça mérite un dédoublement, quelqu'un qui rentre avec de la vitesse. Et aujourd'hui, c'est trop arrêté. Et dans un jeu comme ça, quand t'es arrêté, tu produis rien. Et aujourd'hui, on n'a rien produit du tout. Et c'est ce qui me dérange, parce que, comme tu disais, on a des joueurs techniquement devant qui sont capables de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, je le vois pas. Franchement, honnêtement, je suis dégoûté. J'en sais une petite question à l'endroit d'un Maximilien Trommer particulièrement remonté, on peut le comprendre. Ouais, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est comme la semaine dernière, vous amenez deux points de victoire et derrière vous finissez par une défaite. Du coup, on parle que de la défaite. Il y a quand même une victoire. On vous a senti très très secoué, mais vous avez tenu bon dans le troisième tiers du premier match. Au classement, vous allez quand même ramener des points. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu nous disais on manque d'imagination, hein, c'est un peu ce que j'ai entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment est-ce que vraiment tout est acheté ? Non, il y a pas tout n'est pas acheté, c'est sûr. On prend deux points, c'est bien, mais honnêtement, il en faut quatre. Très clairement, des équipes comme ça, il faut prendre quatre points. On va encore jouer des belles équipes qui sont meilleures que Dice après, et on a besoin de ces quatre points. Aujourd'hui, on peut pas se permettre de laisser passer des points contre des équipes comme ça. C'est dans ce sens-là où je suis déçu. Après, non, tout n'est pas acheté, mais j'attends plus. Je sais qu'on peut faire tellement mieux, et quand je vois des matchs comme ça où c'est réduit à faire toujours le même jeu. Au bout d'un moment, moi, je suis l'équipe adverse, je vois que les mecs en face, ils font toujours le même jeu. Bah, c'est simple. Hein. Ok. Ouais. Moi, ce qui me pose question, alors c'est bon, je me sens un peu schizophrène pour le coup, Tromi, parce que je suis un ancien de vos anciens coéquipiers. Des débriefs comme ça, on en a fait mille. Ouais. À un moment donné, ce qui m'embête dans l'objectif après lequel vous courez, c'est que à un moment donné, il va falloir arrêter de le dire, les garçons, parce que les barrières psychologiques, bon, d'accord, c'est une chose. À un moment donné, on ne peut pas passer son temps à répéter comment on fait une trappe ou comment, à l'inverse, on force une trappe. Et ça, c'est difficile. Thomas avait dit on va avoir besoin de se parler en début de championnat. Est-ce que ce constat vient à nouveau? Je ne saurais le dire. Mais en tout cas, on approche du money time. Oui, complètement. Là, de toute façon, j'ai rien à rajouter. Tu es au courant, tu sais comment ça se passe. Des bilans comme ça, on en fait sans arrêt. On s'en est encore fait récemment. Mais c'est que faut que tout le monde prenne une part de responsabilité. Et il faut tous s'y mettre et se calmer et jouer comme on sait jouer aujourd'hui. Enfin, on se précipite pour faire des trucs simples, des passes qu'on n'a pas besoin de faire, on va les faire, des passes qu'il faut faire, on va pas les faire. Enfin, on joue à l'inverse. C'est ça qui me dérange. Vraiment, parce que on a, comme je dis, on a une bonne équipe, mais c'est ce manque de confiance. C'est humain, j'en sais, c'est humain, ce phénomène. Alors, c'est un peu gentillesse qu'on va dire, là, c'est un peu fleur bleue, mais le ping était bon. Ouais. Enfin, bon, ça, c'est des... Enfin, bref. C'est un peu gentillesse. Non, mais pas une question de ping, là. Ouais,
la problématique d'une équipe qui est douée mais qui se retrouve un peu confrontée à ses démons en compétition e-sport comme dans la vraie vie, j'en sais, c'est quelque chose qui malheureusement est assez récurrent et Grenoble a du mal à s'en sortir de ça. On le dit, tu as commenté des matchs comme moi et même les observateurs le savent. Le sport, c'est pas un agrégat de talent. Il ne suffit pas de mettre les 5 ou les 6 meilleurs joueurs sur la glace pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait quelque chose. Des fois, alors moi j'étais coach, tu laisses un bon joueur. Parce que la maille le fait mieux avec d'autres. Et puis le mental, il est impératif dans le sport de haut niveau. Voilà, il y a des gens qui sont pétris de talent et qui réussiront jamais, et d'autres qui ont un peu moins de talent et qui réussissent parce que la niaque, parce que la gagne. Aujourd'hui, on voit qu'on se pose beaucoup de questions du côté des BDL. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt rassurant parce qu'on pourrait aussi jouer comme ça et puis pas s'en poser. Hein, oui, tout à fait. Dire, voilà, c'est le ping, c'est la faute à pas de chance. Je vais répondre à la remarque qui vient d'être faite par quelqu'un qui nous suit. Non, c'est pas de dire du mal ou quoi. C'est que bon, moi, enfin, je connais tous les joueurs, je les connais par cœur. J'ai joué avec tout le monde. Le ping, à un moment donné, c'est pas une excuse. Je vais le dire et je vais pas prendre de grand pour le dire. Grenoble, ils doivent mettre 5-0, 5-0 à Dice Hockey. Parce que c'est une équipe qui a le niveau pour, et que Dice n'a pas le niveau pour rivaliser une seule seconde avec Grenoble. Individuellement, il n'y a aucune discussion. Le gardien, on lui a tiré dessus, on l'a fait briller. Je vais même mettre Tromi en dehors de ça, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. Ce soir, Grenoble, c'est 5-0, 5-0 contre Dice Hockey. Sauf que les Grenoblois, ce soir, n'ont pas fait le travail. Mon camarade Tromer, qui est là, lui aussi, parce que c'est un leader, il a peut-être pas assez porté son rôle de leader, donc je le dis très librement devant lui. Donc c'est pas une histoire de ping. Les histoires de ping en France, on les connaît depuis des années, ça suffit, c'est des conneries, c'est des excuses pour les losers. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ce soir, Grenoble, et c'est dommage, on le regrette, et je suis le premier à le regretter, Grenoble est passé à côté du deuxième match, on a frôlé la correctionnelle en fin du premier, mais à un moment donné, les garçons, c'est de la compétition, c'est du e-sport de très haut niveau, contrairement à ce que parfois on pourrait penser, il faut prendre ses responsabilités. Je connais cette équipe, je la connais même très bien. Ce soir, Grenoble doit s'imposer avec beaucoup plus d'écart, de rigueur et de style que ce que ça n'a été fait d'abord au premier match et n'a absolument pas le droit de perdre le deuxième. Voilà, c'est clair. C'est tout. Merci d'avoir. Ah, mais à un moment donné, enfin, C'est dur pour enchaîner. Bah, je le dis à ta place, Tromi, parce que je n'en veux absolument pas. El Salonio, pas du tout. Hein. C'est plus une discussion. Je le dis sans. Je sais pas s'il va vouloir revenir sur le. El Salonio. Non, mais bien. Mais il a raison de le dire parce que ça permet d'échanger avec la communauté. Mais il faut mettre en perspective le résultat et ce que cette équipe est capable de faire, vraiment. Non, et puis pour le coup, en plus, le ping, on l'avait à l'extérieur au premier match. Donc, mais bien sûr, bien sûr. Le ping, tu sais, le ping, il est emmerdant pour les deux équipes. Il est vrai que les Nord-Européens, ont un avantage, et on le sait, Tromi, depuis toujours, depuis longtemps, c'est un fait. Maintenant, t'es emmerdé avec le ping une équipe d'un autre calibre que celle de ce soir. Cette équipe de ce soir. Quand tu dois gagner 5-0, le ping, il peut te permettre de gagner 5-1 plutôt que 5-0, quoi. Non, mais voilà. L'équipe de ce soir, ce sont des gens sympathiques. J'ai rien contre eux. Mais à un moment donné, il y a une classe d'écart. Non, mais j'y reviendrai. Il y a une classe d'écart entre Grenoble et Dice. Et ça, c'est pas vu ce soir. Et ça, c'est pas le ping. C'est dans la tête. Les gars, remettez-vous les couilles à l'envers. Ou à l'endroit, faites ce que vous voulez, mais allez-y, je vais mettre 2€ dans la boîte à gros mots, c'est pas grave. Ouais, et allez-y. Surtout, tu vas faire bannir notre chaîne Twitch, alors calme-moi ça. Oui, c'est fait. Non, mais, tout à l'heure, j'ai dit Peggy 18. El Salonio, il n'y a absolument pas de rancœur du tout, mais c'est bien que tu aies lancé ce débat parce que ça m'a permis de dire ce que j'avais sur le cœur. Ça a rendu service à Tromer parce que c'est difficile pour lui de le dire. Ma position, moi, me le permet. Bon, les garçons, on va aussi se tourner vers l'avenir. Comme l'a dit Jean-Cé tout à l'heure, on a eu le plaisir de prendre 2 points, Max. Hein, y a aussi ça, ça aurait pu être plus grave. On aurait pu en prendre 0 sur 4. Là, il y aurait eu carrément le feu à la maison. Mais on va aussi se tourner vers l'avenir. Il n'y a plus énormément de jokers, il y en a encore. Bon, maintenant, les garçons, il va falloir y aller, quoi. Vraiment. Bah oui, mais de toute façon, c'est l'idée au début de chaque match. Le problème, c'est que j'ai plus envie de trop parler et dire il faut faire ça. Faisons match par match. Déjà, gagnons tous les matchs qui sont devant nous.
Tout à fait. Et ensuite, on fera les calculs et on verra où on sera. Là, c'est trop facile de dire, ouais, les prochains, calculés, eux, ils sont bons, eux, pas bons. Ouais, parce qu'au final, on voit qu'il n'y a pas de vérité. Bien sûr. On va battre Speedy Bros deux fois, on perd un match contre eux. Voilà, tu vois, il n'y a pas. Absolument. Absolument. Très clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans une position où on est assez bon collectivement pour se permettre de dire relâche. Non, c'est. Match après match, et puis à la fin, vous avez besoin, les garçons, vous avez besoin de vous retrouver collectivement. Je connais à tous vos forces très clairement individuelles. Je connais vos talents. Pour répondre à la question qui nous est posée, le ping, c'est le temps de réponse au serveur de référence. Voilà, plus le ping est élevé, plus les difficultés se posent. Mais bon, quand tu es à 36 de ping, comme c'était le cas pour Coco ce soir, on ne peut pas mettre en avant des problèmes de ping. On a des joueurs en ECL, ISO notamment, et toi, Tromi, pendant très longtemps, qui jouiez avec 90 de ping. Donc, stop. Après, de toute façon, même, je te l'ai toujours dit, et tu le sais, j'ai jamais voulu me cacher derrière cette histoire de ping. Et c'est un truc qui m'agace, c'est quand on parle du ping, parce que contre des équipes qui sont vraiment fortes, je l'admets, et il n'y a pas de problème, ils sont déjà très forts, si en plus de ça ils ont le ping, c'est très très compliqué. Mais là, quand tu joues contre des équipes de notre niveau, c'est si t'es meilleur, tu vas gagner à la fin. Clairement. Mais les garçons, écoutez, voilà, ça n'est qu'une soirée parmi d'autres, il en reste encore derrière. Retrouvez-vous collectivement, enlevez le couvercle de la marmite, ou alors faites-la à l'ancienne, Tromi. Tu sais, à l'ancienne, à la montagnarde. Vous vous mettez tous dans une chambre, vous êtes dans une pièce, vous fermez les portes, vous éteignez les lumières. celui qui sort sans aucun coquard, il est viré de l'équipe. Voilà. Je vais y penser. Allez les garçons, le chemin est encore long jusqu'à la fin de la saison régulière. Il est vrai que des points, beaucoup, se perdent en route, mais c'est aussi l'histoire de la création du collectif de Grenoble BDL eSport. Il faut peut-être en passer par des temps difficiles pour, à terme, plus tard, si ce n'est pas dès cette première édition, trouver quelque chose de plus consistant. Mais il n'y a pas le feu à la maison, les garçons. Restez calmes, restez lucides. Vous êtes capables. Je sais que vous êtes capables. Et vous savez que vous êtes capables. J'en sais, pour le mot de la fin, peut-être. Non, mais moi, je pense que c'est bien que ça arrive maintenant. Et que comme ça, dans les phases finales, sur les play-offs, ben voilà, tout sera rompu, tout sera huilé. Putain, dis-le deux fois. Autant... Pardon, je vous l'ai fait vivre. Ouais, en fait, mon vrai métier, je travaille à la protection de l'enfance. C'est mon vrai métier. Ça fait deux fois qu'il jette ma manette par terre à un moment donné, la protection de l'enfance. Moi, je veux bien, mais... J'ai un réflexe. Fais le 119, Lily. Le 119. Je suis plus d'astreinte en plus, tu peux le faire, c'est pas moi. Non, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant. En plus, au classement. On n'est pas largué, hein. Franchement, ça aurait été bien d'en prendre 4, on en prend 2, on n'est pas largué. On continue à avancer. Je dis on parce qu'avec Yann, on est commentateur et supporter, à ne pas se mentir. Moi, je vois des choses de mieux en mieux, il faut continuer comme ça. Ouais. Non, mais là, de toute façon, on a bien senti l'œil de supporter de Yann qui était limite en train de m'engueuler. Donc, oui, très clairement. Ouais, mais c'est bien. Son rôle de super. Ouais, mais je regarderai, j'analyserai. Non, mais c'est bien. Après, vous savez, les amis, on y met tous du cœur et beaucoup d'envie dans tout ça. On a envie que les choses avancent. Parce que moi, ce qui me frustre, si vous étiez une équipe de tocards, j'aurais déjà rendu l'antenne. voilà, mais vous n'êtes pas une équipe de tocards. Donc, il y a des choses à faire, les amis. Prenez les choses par le bon bout de la lorgnette et ça va venir. Et je redis encore, bah, peut-être que ça sera un peu après. Voilà. Soyez patients. Et puis bah, après, s'il faut faire tourner, faites tourner. Parfois, ça remet aussi les têtes dans le bon sens. Mais là, il faut faire tourner les 5, on va être emmerdé. Moi, je ne suis pas dispo. Hein. Je suis emmerdé parce que je commente. Et j'en sais, il joue à Valorant, là, son espèce de Fortnite du pauvre. En plus, je suis en train. Et là, je dois vous avouer que depuis 5 minutes, je joue parce que j'avais un match. Donc, je suis en train de vous écouter. Aïe, il est sur Valorant. Je joue à Valorant sans le son. Donc, je pense que mes coéquipiers sont en train de rager. Bon, un peu, je pense. On va merci, terminer en disant que bon, malheureusement, Cancun a,
Cancun a malheureusement perdu son premier match 4 à 2 contre Asgard, ce qui tente à éloigner un peu plus les playoffs du côté de Cancun, mais tout n'est pas encore perdu. Et les Hawks certainement sont déjà aux affaires, mais je vous avoue que j'ai pas eu la possibilité encore d'allumer le live. On va donc en terminer. Grenoble s'incline sur le deuxième match 2 buts à 1 après s'être imposé sur ce même score lors de la première manche contre Dice Hockey. On aurait préféré prendre 4 points plutôt que d'en prendre 2, mais on en a pris 2 et c'est déjà pas mal. On va garder ça. Les garçons, vous avez tout notre soutien, vous avez tout le soutien du club de Grenoble et des supporters de Grenoble, je le sais, et de la communauté française. Donc prenez tout ça dans le bon sens et ça va venir. J'en sais, merci infiniment. On se retrouve mardi soir, avant mercredi soir, ta première tout seul, parce que je serai appelé sous les drapeaux de mon équipe de Cancun. Oui. Écoutez, on sera là toute la semaine. Les infos, eSport Hockey France, la page Facebook, LHEAS francophone pour ce qui est du groupe Facebook, si vous avez envie de rejoindre cette communauté, et nhlgamer.com pour toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Maximilien Trommer, le centre des Brûleurs de Loups eSport, était à nos côtés. Merci d'être venu. Merci. en dépit de cette soirée complexe. Il faut parfois du courage pour venir affronter les questions emmerdantes, et je t'en remercie. Jean-Sébastien Guiguet du Sport Dauphinois était à mes côtés. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à toi, et on se retrouve mardi pour 2 victoires, évidemment. Évidemment. Bonne soirée à toutes et à tous. Allez, tout de suite sur la chaîne des Hawks, les amis. Hawks HC. Les Hawks sont en train de jouer dans leur groupe 2. Merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt. Bye bye.